Alter Radio, l'IFE, minuit. Programme Alter Radio sur internet, c'est 50p, 24 sous 24. C'est 50p. Connecté sous TuneIn à Zelle. 24 sous 24. Écoutez. Écoutez. Abonnez. Abonnez. Partagez. Partagez. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour nal pi loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté 24h sur Alter Radio 106.1 FM en stéréo sous Zeno Radio et sous diverses plateformes internet. Mes principales informations nous présentons dans l'édition 24h qui va venir. Gros niveau chaleur avec danger inondation sous plusieurs départements pays d'Haïti. Pays d'Haïti n'a pas un gouvernement qui a un souci sécurité sous territoire national là, contrairement au pays Mali, côté a une force qui prend disposition pour gérer sécurité pays africain ça. Sans c'est pas force là mais étranger qui vient régler question sécurité. La police nationale ak Moussou l'armée ki la ta suppose di ki kalte kooperasyon internasyonal yo ta bezwen se dizon konsey akte ki pa nan l'Etat yo konan nan yon interview bay Alter Press ak Alter Radio. Nan praplo divers konik nou yo ta kou ekonomi, teknologi, la sante ak la kil ti. Rete konekte Alter Radio se ponso ak divers lot nou pal devlopi pou nan edisyon 24e kap vini. 24 heures, journal Alter Radio. Li soti a 6 heures du soir, li passe tout à 10 heures du soir, minuit, 4 heures à 5 heures du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Bienveni nan devlopman 24 nan demay jounan la kondisyon tan, gwo nivou chalè ak danje inodasyon sou plize depatman peyi da iti yo. Gen posibilite dlo ki ka desan, brit soukou sou plize depatman peyi da iti yo. Se avetisman espesyalis a isen yo nan kondisyon tan bay. Gen bouleves nan tan, sou lanme, ka haib yo. Gen tou, yon mas pousye ki soti nan sab deze sahara yo an Afrik. Se sityasyon sa ki gen enfuyans sou kondisyon tan sou gwo zile ka haib yo. Kon sa, gen posibilite aktivite la pli ki mache ak lora. Nan finisman apremedi ak aswe sou debatman nor, plato sentral, Latibonit, Sides, Grandans, Nipakloes, kote nou jwen, zon metropolite, Port-au-Prince-Lan. Debi nan apremedi madi 4 juyet 2023, loray te koumanse gonde epi la pli a tap tombe sou plize katye debatman lwes la. Gen van kap soufle divers kote sou debatman peyi da iti yo panan jounen, gen gwo soley nan matin ap gen nuaj epi tan pral feme nan finisman apremedi ak aswe. Nivou chale a kontine ou anpil ni nan la jounen ni nan la nuit yo. Soti nan nivou 36°C, temperati an pral desan ant 26 po al 23°C nan aswe. Gen tou posibilite gwo ou aktivite la pli ki mache ak louray sou la mea, si tou bokot si diyo ak bokot zile la gounavyo detan yo va evite rentre nan fon la mea kap mouve anpil kapten bato chaloup boafouye yo dwe pren prekosyon nesesè yo bo tout kot peyi da iti yo vage ap monte nan nivou 9 piyote bokot si diyo, 6 piyote bokot nan peyi da iti yo ak 5 piyote bokot zile la gounavyo patro loin, patro brins. Nan chapit politik, peyi d'Haïti pa gen yon mouvman ki gen souci sekurite sou teritwa nasyonal la, kontrèman ak peyi Mali, kote gen yon fos ki pren disposisyon pou jere sekurite peyi Afriken sa, san se pa fos l'armè etranje ki vin regle kesyon sekurite l, la polis nasyonal ak Moussou l'armè ki la, ta suppose di ki kalte kooperasyon internasyonal yo ta bezwen, se dizon konsey akte ki pa nan l'Etat yo konan nan yon interview li bay Alter Press ak Alter Radio. Se pa normal pou yon peyi ki gen l'armè ak la polis pou l'bezwen fos etranje nan peyi an. An koute, koordonate konsey akte ki pa nan l'Etat yo konan Edouard Polta pou plis detay. Opinyon publik la, an jeneral, li tre divize sou sa e ou plan interne an dan peyi ya e ou plan internasyonal. Sa ki genyen se ke Haiti li menm yo installon gouvernement ki souci, ki pa souci li de problem sekurite an dan peyi ya. Donk, lesa li lage tout
toute responsabilité et sécurité pays a sous des forces étrangères. Nous ne sommes pas capables d'accepter comme ça. Et la police là, l'ILA, l'armée là, ils sous équipé, c'est vrai. Mais si Haïti besoin en coopération internationale, c'est présenter qui besoin la police a gagné, qui besoin l'armée a gagné en termes d'équipement, en termes de commandement, et le ça pour yo, en termes d'effectifs, et le ça pour yo même yo colté yo avec situation ça qui a passé en dans pays. Nous mêmes citoyens nous trouvons tout à fait anormal que la police là et puis le gouvernement par exemple bay moyen et puis l'autre pour yo libérer et Gout Matisan pour yo libérer et Camaran ou bien et bay sa yo dans espace de 10 à 20 jours ces bagailles yo ka régler facilement avec un bon commandement dans la police là et dans l'armée avec des équipements sérieux pour faire face avec des gangs criminels qui prend route yo en otage. C'est pas normal qu'on nous accepte ça. C'était coordonnateur conseil acte qui va dans l'état yo Kounan Edouard Poult. Nan chapit la justice, organisa doa moun an fondasyon jeklere FJKL leve la voa konta desisyon direksyon la polis depatman la Tibonit pran pou transfere 2 polisye nasyonal ki te encharge bay juj Luima Luidor ak Willens Derival nan tribunal sivil Gonaiv Sekurite. Gang aksam ki bay tet li non koukouat san rasyon longe dwet sou engajman de juj sayo nan batay konta de gen bandi wou la Tibonit lan. Dapre FJKL, Fondation Jeclere denonse anulasyon desisyon irefleshi otorite la polisyon pran ki mette an danje magistra yo ki engaje nan batay kont gran banditis lan nan la Tibonit lan. Si la ki konsene yo nan peyi d'Haïti, ta dwe mette yo nan posisyon pou servi populasyon an, detan yo va mette entere personel yo sou kote, yo ta dwe mette tet yo ansam pou jwen yon solusyon ka bon pou tout moun nan kriz ka brase bil peyi ya. Se sa ki ta ka kreye kondisyon pou garanti sekurite ak tout lot kalte dwa populasyon an, se deklarasyon an chaje zafè peyi Etasuni nan peyi d'Haïti, Eric Stromayer, okasyon 4 juye 2023 ki te fè 247 l'anè depi Etasuni te rache independans li nan men kolon Anglè. Se te nan data 4 juye 1976 yo, yo te fè deklarasyon independans peyi Etasuni. An koute en charge des affaires pays États-Unis dans le pays d'Haïti, Eric Stromayer, pour plus de détails. J'ai récemment eu le privilège de rencontrer brièvement le président Biden et le secrétaire d'État Blinken, qui ont exprimé leur profonde préoccupation pour Haïti et réitéré leur soutien indéfectible au peuple haïtien. Ils comprennent et reconnaissent la nécessité de poursuivre les efforts pour assurer la stabilité et la sécurité des Haïtiens. La vice-présidente Harris a récemment rencontré le premier ministre Henry pour discuter de la sécurité et de la crise humanitaire en Haïti. Elle a aussi annoncé que les États-Unis vont fournir 53,7 millions de dollars d'aide humanitaire à Haïti par l'intermédiaire de l'USAID et que la Maison-Blanche soutient le renouvellement des lois HOPE et HELP qui facilitent les échanges commerciaux entre les États-Unis et Haïti et l'emploi de plus de 40 000 Haïtiens. Les États-Unis restent profondément engagés à travailler aux côtés des partenaires internationaux et des Haïtiens de tous les secteurs, alors qu'ils continuent à faire progresser la sécurité et à travailler dans l'intérêt supérieur du peuple haïtien. Les États-Unis continueront d'inviter les acteurs du processus politique à œuvrer ensemble pour résoudre les problèmes d'Haïti. Nous sommes encouragés par la formation du Haut Conseil de Transition, soit la HCT, la poursuite de dialogues politiques et la nomination des juges à la Cour de cassation. La voie de la démocratie est pavée de compromis, de consensus et de transparence. Par conséquent, j'encourage les acteurs politiques, la société civile et les dirigeants du secteur privé à s'unir au service du peuple haïtien pour construire une Haïti prospère qui respecte pleinement ses principes fondateurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Au nom des États-Unis, je vous remercie. Vous, le peuple haïtien, pour vos vœux chaleureux à l'occasion de la célébration de notre fête de l'indépendance. Nous, le peuple américain, sommes à votre côté dans vos efforts pour construire un avenir meilleur
et plus prometteur pour tous les Haïtiens. Comme nous disons en créole, « Main en pile, chai pa lou ». C'est l'heure de nous dépasser des accords avec intérêts personnels, nous gagnons. N'ap capable joindre pi bonne solution pour tout le monde. C'était un chargé d'affaires pays États-Unis dans le pays d'Haïti, Eric Stromae. Académie créole haïtienne AK a annoncé la mort académicienne Marie-Jeanne Léo Luchol en bas maladie dans Boston, pays États-Unis, en date jeudi 29 juin 2023. Marie-Jeanne Léo Luchol était doyenne en après faculté lettres et sciences mon en dedans Université Notre-Dame d'Haïti. Madame Luchol, c'est mon campérin qui chita dans le département si de pays d'Haïti. Il était travaillé dans le domaine d'éducation pendant 30 années et puis il était fait promotion en créole. Il était intégré à l'Académie créole en 30 juin 2022 et puis il était participé dans diverses activités. Académie créole là, t'es qu'on mettait campé. Il était gain 59 années sous tête li. Jovenel Moïse, yon nan pitit ansyen prezident de facto Jovenel Moïse, fè konen sou Twitter, fami Moïse lan apwete chapo yo nan yon seremoni privé, okasyon de l'anè depi yon komando aksam te asasine Jovenel Moïse lakay li, mèkwedi 7 juye 2021. Fami Moïse lan di li pa souwete komplis nan konsasinay 7 juye 2021 ta vin patisipe nan seremoni sa nan mèmwa Jovenel Moïse lan. N ap rappele, sekretaryat jeneral la primati an fè konen vendredi kap 7 juye 2023 deklare jounen dey nasyonal sou tout teritwa nasyonal la pou make 2e aniversè aksasinay sou prezident de facto Jovenel Moïse lan. Nan san sa, diskotek ak lot etablisman ap rete fèmè e stasyon radyo yo ak televizyon yo invite pou yo programe emisyon nan sikonstans lan. Nan chapit migrasyon, lundi 3 juye 2023, Direksyon Jeneral Migrasyon Republika Dominikien di li arete 8 migran natif natal Haiti san papye a 15 lot migran natif natal Haiti li di li te jwen ki ta fe komes san otorizasyon nesesè sou teritwa Dominikien. Wap koute 24 sou Alte Radio 106.1 FM Stereo sou Zeno Radio ak sou divers lot platform internet yo. Aktualite internasyonal lan ak kolaboratris nou Marie Farah Fortuny. Norvejen Jens Stoltenberg ki nan tèt otan depi l'anè 2014 anonsè madi li rekondu nan pos sekretèr jeneral li pou yon anè an plis ak kek jouyon somè krisyal Vilnius ki sentre sou l'Ukraine. Li twite mwen onore desisyon alye otan pou prolonje manda sekretèr jeneral mwen jiska mwen oktob 2024. Yo tap ten prolongasyon sa depi plize semen a koz absans konsensis sou nom yon posib remplasan. Peyi Ejipati ki anonsè madi yo nome ambasade nan peyi respektif yo pou premye fwa depi 10 l'anè, sa ki se denye sin an dat relasyon diplomatik yo ki chofe an pil. Ministè Afè Etranjè an kèr, Meto Ankara, pale konsen nan amelyorasyon relasyon diplomatik an de peyi yo, nan nivou ambasade yo kote l'ajoute Ejipsyen Amran Elamami te nome Ankara epi Tik Salimoutlou Sen kèr. Chine anile vizit Pekin chef diplomati européen nan Joseph Borrell ki te prevoa fèt semen kap vini la. Dapre sa, komisyon européen fè konen madi. Yon premye vizit ki te prevoa mitan mwa avril te deja ripote paske Joseph Borrell te testé pozitif nan COVID-19. Malerezman, homolog chinois yo informe nou, data ki te envizaje pou semen kap vini la pa posib anko e nou dwe kounye ajwen lot data, se sa yon potpawol komisyon Nabila Masrali fè konen san pa bay lot presisyon. Epi gouvernement Taliban anonsè madi 4 jiye li bay lot pou fè mè salon bote yo nan yon mwa Afganistan sa ki se yon lot mezi ki vize kenbe fòm yo plis ale kavi publik lan. Depi retous pouvoi mwa ou 2021, Taliban te mette deyo fòm nan pi fò etablisman anseyman sekondè, universite, men tou administrasyon publik yo. Yo entèdi yo tou travay avèk l'ONU men tou ONG internasyonal yo. Frote l'idee, frote l'idee, randevo chak jou pou n'kroze sou sak pase sou l'idee ka blase. Soti inedis rive 3 e, ledi al pou venredi sou Alter Radio 106.1 FM. Frote l'idee, frote l'idee sou Alter Radio. Rele nou nan 28 15 73 85, voye mesaj nan 48 72 79 13. Komunike ak nou tou sou Facebook ak Twitter. Frote l'idee, frote l'idee, randevo chak jou pou n'kroze sou sak pase sou l'idee ka blase.
Soti inedis rive 3 e, ledi al pou vendredi. Sou Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio.org. Frote l'ide nan telefon, an direk, sou WhatsApp, Facebook ak tout lot rezo sosyal yo. Yo andevo pou n'pale, parol ba nou. Frote l'ide. Ministère éducation nationale lancé Anissa recensement général toute l'école publique ou l'école privée. Opération ça a commencé 27 mars pour le finir 28 avril 2023. Tout responsable l'école yo doit remplir un formulaire enregistrement en ligne qui disponible sous site internet ministère qui c'est www.menfp.gouv.ht. Enregistrement en ligne l'école là qui pas prend 15 minutes, c'est une obligation chaque directeur l'école doit remplir, c'est une condition pour l'école là qu'a joindre permis pour fonctionner ak autorisation pour enregistrer élève li yo nan examen l'état yo. Responsable l'école la doit gen adresse électronique pour remplir formulaire si la. C'est première étape avant li bay l'autre information en ligne sur liste enseignant ak liste élève qui dans l'école la. Responsable l'école la doit porter en après tout dossier l'école la nan district scolaire nan zone côté l'école la ya. Recensement toute l'école nan pays ya important en pile pour gen bon jan information pour prendre bon disposition sous système éducatif la. N'a rappelé dernier recensement sous l'école t'est réalisé dans l'année 2016. Faut que nous dit tout, recensement pral aider l'école là pour le cas joindre. Yon permis qui reconnaît responsable pédagogique qui dirige l'école là. Yon permis provisoire enseignement pour chaque enseignant. Yon numéro unique pour identifier chaque élève. Pas oublié, recensement toute l'école dans pays a commencé 27 mars pour le finir 28 avril. Ministère éducation nationale dit tout le monde et spécialement directeur l'école yo merci pour collaboration yo. Pour recensement bien passé dans l'intérêt de toute société. 100 jours soleil! C'est pas jouer, nous pas jouer, non? C'est gagner, nous pas gagner grâce à plein soleil Digicel là! Composé étoile 617, ou soit aller sur application MyDigicel là, activer plein soleil pour 5 gouttes seulement. Et puis, jouer chance gagner 100 000 gouttes Digicel là, paye là! Si vous jouez chance pas, quand même! Rete bien relax parce que c'est 100 clients qui pas joindre possibilité gagner une belle promotion ça qui pral durer 100 jours et chaque jour a un client qui pral sortir avec 100,000 gouttes cap tonton meya directement sous compte mon cash li qui donc 100,000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours un petit plan bien facile pour activer et bien chanson en plein mon grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas plus. Depuis l'année 2021, groupe d'action francophone pour l'environnement GAF, nan tête collée ak partenaires yo, mettait sous pied une campagne mobilisation sous appropriation ak opérationnalisation contrat pour transition écologique ak sociale là. Contrat ça offrit pi bon pot sorti pour nous river mettre bout ak système baisé sous c'est ça. Système impérialiste là pour nous river bâti yon l'autre société qui pigis, pi égalité et puis qui pi écologique. Dans cadre campagne mobilisation ça yo, plusieurs ateliers ak débat public déjà organisé dans presque tout 10 départements pays ya. Campagne mobilisation sous contrat pour transition écologique ak sociale là a continué faire chemin li. Campagne ça vle mobiliser citoyens ak citoyennes sous tout territoire national là, quel que soit appartenance sociale ak politique yo. Ki tout femme, ki tout garçon, ki tout pauvre, ki tout riche, ki tout se élève, ki tout se étudiant, ki tout moun an deyo, ki tout moun la ville et la tri. Contrat ça pa vle kite personne deyo. Parce que nous chaque gen rôle nous pour nous jouer pour nous passer de une société civile passive captain à une société civile active capable. Contrat pour transition écologique et sociale là disponible tout côté. Ou capable télécharger facilement leur taper www.gaf-haiti.org ou bien visiter page Facebook GAF Haïti. Citoyens, citoyennes, qui ça va tant pour faire outil ça tourner à faire pau et offrir tête tout ensemble avec génération qui va venir yo. Citoyens, yon nan pi gwo droit nou genyen, se droit pou nou pale, pou nou proteste, pou nou denonse sa k fè nou mal e sa nou pa d'akò avèl. Men droit sa pa otorize nou krasé brisé ni piye paske nou pa d'akò avèk yon moun. Lè nou krasé brisé byen yon moun paske li pa nan menm kan avè nou, nou tou invite l krasé brisé byen pa nou tou, lè nou vin nan plas li. Angoumen sans violence ak tolérance,
qui c'est un gros outil dans la démocratie. C'était un message OPC, Office Protection Citoyen. Communiqué de presse. Le ministère de la Santé publique et de la Population tient à rappeler au public en général, les institutions sanitaires, les associations socio-professionnelles, les ONG agissant dans le domaine sanitaire et les usagers en particulier, que la formation en sage-femme et des technologistes médicaux en Haïti est et relève jusqu'à date de la prérogative de l'État. Aucune reconnaissance n'a été donnée à des institutions privées pour former des professionnels dans ces domaines. Le ministère de la Santé publique et de la Population exhorte les étudiants et les parents à la prudence dans le choix des filières de formation en sciences de la santé, tout particulièrement celles qui sont aujourd'hui encore offertes uniquement par des structures de formation contrôlées par l'État. Une liste des institutions reconnues aptes à assurer des enseignements en sciences de la santé par catégorie est disponible sur le site officiel du dit ministère. Docteur Lauré Adrien, directeur général, approuvé par Alex Larsen, docteur en médecine, ministre. Avis. La Direction générale des impôts, DGI, rappelle au public en général et à tous les employeurs généralement quelconques, personnes physiques ou morales, notamment les entreprises individuelles ou sociétaires, les sociétés civiles, commerciales et ou industrielles, les institutions financières, les associations professionnelles, les organismes publics et parapublics, les entreprises publiques autonomes à caractère administratif, commercial, industriel et financier en particulier. Les dispositions des articles 93, 94 et 95 du décret du 29 septembre 2005 relatifs à l'impôt sur le revenu qui leur font obligation de prélever à la source la retenue sur salaire et de la verser régulièrement à la DGI accompagnée d'un état explicatif avant le 15 du mois en cours pour le mois précédent. Cette direction générale rappelle également aux employeurs qu'il est de leur devoir de délivrer à l'employé, pour les besoins de la déclaration définitive de ce dernier, un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros de reçu de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour lesquelles ils ont été opérés. La direction générale des impôts exhorte tous les employeurs à se conformer aux prescrits des articles du décret cité en référence en vue d'éviter les pénalités et amende prévue par la loi. Cet avis est signé de Jean-Emmanuel Casséus, directeur général de la DGI. Tout un univers radiophonique en podcast. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Nan chapitre ekonomik, kwasans ekonomik mondial lan ta dwe ralenti nan 1.9% nan l'anè 2023, dapre avertisman Organizasyon Nasyon Jini nan yon rapor an koute Pierre Philor Saint-Fleur kapo de plis detay pou nou. Divers kriz kap brase bil mond lan tankou konflik ant peyi Ukraine ak la Rusi, kriz la manjay, kriz enerji, inflasyon, kriz klimatik yo, se pami gwo poin ki te souke ekonomi mondial la pandan anè 2022. Sa ki ralenti kwasans prodiksyon mondial la, ki ta dwe konen yon to kwasans soti 3% en 2022 pou rive 1.9% en 2023. Se pa moman pou nap ple de fè refleksyon a long tem, kreye problem pou augmente inégalité yo, augmente soufrans populasyon yo, ak risk pou mette en danje realizasyon objektif développement durable yo. Nap viv yon kriz nou pat jam viv avan, ki gen gwo konsekans sou tout populasyon mondial la. Sa mande pou nou pren gwo desisyon. Se dizon, sekretèr jeneral Organizasyon Nasyon Zinyan, Antonio Guterres, sou perspektiv negatif sa yo ki pandye sou tèt mond lan. Aksyon map pale la ou, se gade ki jan nou ka travay nan tèt kole pou nou pren desisyon ka pemet nou aten objektif devlopman dirab yo, se sa Antonio Guterres te ajoute nan rapor sa. Rapor ap pale de perspektiv ekonomik yo ki som pou kounye ya, men tou pou ane kap vini la yo. Kwasans mondial lan ta dwe aten yon reprise ki modere nan ane 2024, men gen kek tendans negatif tankou konfli Ukraine ak la Rusia, kriz klimatik, inflasyon ki dwe jwen yon akalmi selon Antonio Guterres. Nan chapit kil ti film Barbie an interdi nan peyi Vietnam, an koute Marie Farah Fortuny ka pou de plis detay pou nou. Anoy interdi long metraj a sou seleb poupe Barbie ki reyni Margot Robbie ak Ryan Gosling a koz sen li jije ki
peau chinoise. Vietnam interdit blockbuster américain, tout le monde attend à cause scène qui montrait yon quatre côtés gain revendication Pékin sous la mer Chine méridionale là, d'après sa média l'État a rapporté lundi. Quatre l'ont montré yon délimitation géographique qui propre à pays Chine, y aurait les lignes en neuf pointillés yo qui définit revendication Pékin sous glossaire qui n'a contestation côté Hanoï gain revendication rival yo. Comédie hollywoodienne sous célèbre poupée Mattel là ak Margot Robbie et puis Ryan Gosling ta de sorti Vietnam 21 juillet mais chaîne cinéma vietnamienne yo retiré date ça sous site internet yo. La machine méridionale qui gain gisement pétrole à gaz fait objet revendication plusieurs voisins Chine peur pour Pékin pas chercher mettez en prise li sous li. 24h, journal Alter Radio. Li soti a 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. 24 kare rive nan bout li nan praplo principale informasyon nou ta prezante pou ou yo. Peyi d'Haïti pa gen yon gouvenman ki gen souci sekurite sou teritwa nasyonal la, kontreman ak peyi Mali, kote gen yon fos ki pren disposisyon pou jere sekurite peyi Afriken sa, san se pa fos la me etranje ki vin regle kesyon sekurite l, la polis nasyonal ak mou sou la me ki la, ta suppose di ki kalte kooperasyon internasyonal yo ta bezwen, se dizon konsey akte ki pa nan l'Etat yo konan nan yon interview bay Alter Press ak Alter Radio. Mersi tout ekip Alter Press ak Alter Radio an nan patisipasyon nan prezentasyon Marie Farah Fortuné, Pierre Philo Saint-Fleur nan supervizyon, sete Ronald Colbert ak Emmanuel Marino Bruno nan mikwa avek ou sete Jean-Élie Paul ou ka rekoute emisyon Jounal Sa an podcast sou Zeno FM Apple, Spotify ak Google Podcast. Babay tout moun. 24 Jounal Alter Radio. 24h, information besoin sous Alter Radio. Ou pa gen lot chwa ke branche Alter Radio sous 106.1. It's your boy Blazy. Thank you.